photo est en noir et blanc. Ses bords sont dentelés. Tu es dans les bras de ta grand-mère maternelle. Tu dois avoir 4 ans et tu es habillée en fille. Tu portes une robe bordeaux en velours. Elle a un col en dentelle blanche. Dans tes cheveux noirs, tu as un grand ruban blanc. Ta grand-mère est fière de te tenir dans ses bras. Elle a sa fille à sa droite et à sa gauche se tiennent son fils et sa femme. Vous êtes les 5 devant le sapin de Noël, installés dans un coin de la plus grande pièce de la maison. Sur l'un des murs, on distingue dans un cadre en bois la grande photo de mariage de tes grands-parents. Le sapin est décoré avec des guirlandes faites en papier. Leurs maillons sont rouges, bleus, verts, jaunes et blancs. Il y a une trentaine de boules entre ces guirlandes. Tu vois les bougies accrochées aux branches, chacune dans son support métallique muni d'une pincette. L'une des boules représente une sorte de champignon qui a une grande bouche et des yeux et un gros nez. Le chapeau de ce champignon est rouge et parsemé de petits pois jaunes. Ta mère porte un pull blanc et elle tient ses mains derrière le dos. Elle est la seule personne qui sourit sur cette photo. Les adultes regardent tous l'objectif de l'appareil. Tu regardes un peu vers ta gauche en diagonale. Tes yeux fixent la porte d'entrée. Au sommet du sapin, ils ont installé le Père Noël, qui est une figurine en plâtre et son manteau est peint en rouge et blanc. Le parti unique ne veut pas que vous appelez le sapin de Noël sapin de Noël. Le parti unique dit que le sapin de Noël s'appelle l'arbre d'hiver. Tu es encore petit. Ta grand-mère va à l'église 2 fois par semaine. Elle appelle le sapin de Noël, sapin de Noël. Ta mère, ton oncle et ta tante ne vont pas à l'église. Ils appellent le sapin de Noël, sapin de Noël et arbre d'hiver. Ils respectent la tradition de l'église et ils se soumettent en même temps aux directives du parti unique. Le parti unique ne veut pas que le Père Noël soit appelé Père Noël. Les grands et les petits chefs du parti unique veulent que le Père Noël s'appelle le vieil homme qui amène le gel. Tu as 4 ans et au jardin d'enfants, la maîtresse dit que c'est le vieil homme qui amène le gel qui va vous apporter des cadeaux. Ta grand-mère dit que le vieil homme qui amène le gel n'existe pas. Elle te dit qu'il faut savoir que c'est le Père Noël qui est le vrai Père Noël. Tu es dans ton pays d'ici maintenant. C'est Noël. Et tu es avec ta fille de 12 ans. Tu lui montres cette photo où tu es habillée en fille et tu lui racontes ton enfance vécue dans ton pays de là-bas. Un ou 2 jours avant Noël, ton oncle tuait le cochon qu'il avait élevé lui-même pendant toute l'année dans sa basse-cour. Ce jour-là, grands et petits se levaient à 5 heures du matin. Les parents préparaient la planche en bois sur laquelle devait être découpé l'animal. Ils sortaient des galetas les chaudrons pour cuire certains morceaux de viande du porc. Toi et tes 3 cousines, vous accompagniez ton oncle dans la rue recouverte de neige. Il allait appeler 2 ou 3 hommes du voisinage pour qu'ils l'aident à abattre son cochon. D'abord, debout et à côté de la table de la terrasse, il buvait un petit verre d'alcool de prune cuit et brûlant. Tu voyais les vapeurs de la boisson sortir des verres, effleurer et prendre les contours de leur visage. Ton oncle leur montrait les 3 gros couteaux de boucher et l'un d'eux choisissait l'arme la plus longue et la plus aiguisée pour l'enfoncer dans le cou du cochon. Puis, ils prenaient des cordes et ils allaient dans l'enclos où se trouvait l'animal.
Il l'attachait au pied avec des nœuds coulants. Il le sortait sur la neige de la basse-cour. Il l'immobilisait à côté de l'acacia. Aligné contre la barrière en bois, toi et tes trois cousines, vous regardiez comme l'un des voisins, juste avant d'enfoncer le couteau dans la chair du cochon, se signait. Il joignait les doigts de sa main droite et il touchait de ses doigts son front, sa poitrine, son épaule droite, puis son épaule gauche. Le sang de l'animal coulait dans la neige. Votre oncle vous appelait à côté du cochon tué. Il mettait son index droit dans la flaque de sang de l'animal et il marquait vos visages de ce sang. Il touchait de son doigt rouge votre front, votre menton et vos joues, et vous sentiez comment le sang du cochon séchait sur votre visage, et tu disais à tes cousines qu'il vous avait fait le signe de la croix. Puis vous, les enfants, vous participiez aux travaux qui s'en suivaient. Vous mettiez, vous aussi, de la paille sur le corps du cochon tué dans la neige. Vous couvriez le corps du cochon tué avec de la paille et ton oncle mettait le feu à cette paille pour brûler les poils de l'animal mort. Noël commençait avec ce sacrifice. Ta grand-mère arrivait vers 6h30 du matin. Elle voyait les taches de sang de cochon sur vos visages. Et disait à son fils, c'est bien que tu leur aies fait la croix sur le visage. Nos enfants ne doivent pas oublier ce qu'est la tradition de Noël.